පිනවමු ඔබ ලංකා ඔබවමු ඔබ ලංකා දෙවිදී සුරකිමු ඔබ ලංකා exposé, donc c'était pas terrible. Là maintenant nous sommes à Arzembouy. Alors l'idée du lavoir était bonne, du coup je l'ai gardé. Et à Arzembouy il y a un petit lavoir là comme ça qui est juste là, et lui par contre qui est à l'ombre, enfin qui est bien abrité, donc ça c'est pas mal pour aller boire une bière bien fraîche. Arzembouy, j'ai choisi Arzembouy en plus pour le nom du village, ça fait penser à Arsouille. Il y a un Arsouille dans la Nièvre, c'est un Arcandier quoi, c'est un Arsouille quoi. Donc eh ben, on va aller boire une petite bière près de l'eau de ce magnifique lavoir. Se trouve ici, bien au frais. Ah. Bon. C'est un petit peu glauque quand même. Ouais. Puis c'est pas dit que ça tienne, s'il y a des étés là. Ah, bon. Voilà. Bon, non, bon. Non, on va abandonner l'idée des lavoirs, je crois que c'est bon. Et on va continuer, on va aller sur les bords de Loire, peut-être qu'il y aura une ou deux plages, peut-être pour boire la bière peinard au frais. Les lavoirs, donc c'est fini, ça fait chier. Allez, c'est parti. Allez. Allez. Toujours à Arzembouy, hein, finalement. Arzembouy, Arsouille, tu sais, Arsouille, Arcandier, enfin tout ça. Donc toujours à Arzembouy, mais de l'autre côté de la route. Je trouvais ce petit endroit, je me suis dit, tiens, ça peut être sympa ça, même si on a dit qu'on arrêtait les lavoirs, tu vois. Petit endroit, parce qu'il y avait marqué pêche interdite, donc ce qui fait qu'on n'est pas emmerdé par les pêcheurs. Et puis en se rapprochant un petit peu, bon, bah, le lavoir, il est un petit peu inondé. Là, par contre, pour le coup, il y a un peu trop d'eau. Plus, c'est une eau qui a l'air pas vraiment potable, hein, il faut bien le dire. En même temps, bon, puisque c'est un lac, une bière, enfin un lavoir, une bière, on n'est pas là pour boire de l'eau, hein, comme le dit le titre, c'est de la bière. Mais bon, le petit lavoir, donc on peut pas y aller, parce que comme tu peux voir, c'est fermé. Donc, c'est fermé, on peut pas y aller, il n'y a pas de berge pour s'asseoir à côté, l'eau est dégueulasse. Bref, l'idée, on abandonne. Mais je me suis dit, ah, regarde voir en face là, regarde voir ce petit endroit bucolique là, si c'est pas mignon, si c'est pas sympa pour boire une petite bière, un étang, une bière. Et voilà, regarde, c'est beau ça, cette vase. Cette vase là, cette eau qui croupit un peu là. Hein? Ouais. Ouais, mais non. Non, c'est pas ça qu'on veut non plus. Surtout qu'on est en plein soleil. Oui. Eh ben écoute, je suis bien d'accord avec toi, c'est pas ici qu'on va boire une bière. Tiens, par contre, il y a des murs, si tu cherches des murs, il y en a. Hein. Ouais, il y en a plein là. Voilà. Donc, eh ben, on va se casser d'Arzembouy, Arsouille, Arzembouy, pour aller cette fois-ci sur les bords de Loire qui doit se trouver par là-bas. Allez, c'est parti. Toujours un lac, une bière, enfin un lac, une bière, donc pas de lac, pas de lavoir non plus, donc pas un lac, une bière, pas un lavoir d'une bière non plus, on a vu ce que ça donnait. Donc là, on s'est aventuré un petit peu plus loin, on est à Raveau. Alors Raveau, c'est un petit village toujours dans la Nièvre qui se trouve entre la Charité et Prémery, hein, pour te situer. Tu vois la Charité, voilà, bah tu vas à l'est et puis il y a Raveau, et si tu continues un peu plus loin, il y a Prémery. Bon bref, on s'en fout. Donc toujours à la recherche d'un coin frais pour boire une bière bien fraîche. Et là, à Raveau, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a, t'as vu, j'ai mis mes lunettes, hein, au cas où il y a une bibliothèque, on sait jamais, j'ai pris mes lunettes ce coup-ci. Et bien, il y a la fontaine de la Vache, qui, voilà, qui est là, comme tu peux le voir. Enfin, là, c'est le panneau qui explique ce qu'est la fontaine de la Vache. Hein. Donc, apparemment, la fontaine de la Vache, c'est pas vraiment son nom. En fait, le mot vache, apparemment, n'a rien à voir avec l'animal, mais proviendrait du mot latin bâche. Bâche qui signifie source, et qui, par déformation du langage, a donné vache. Bâche, vache. C'est-à-dire que par exemple, quand il pleut, sur ta bagnole, quand il pleut des grêlons, bah, tu mets pas une bâche, tu mets une vache. Hein, comme ça, déformer des noms comme ça, on peut en faire tout le temps. Hein, je sais pas, la source du blouk, qui en fait, blouk veut dire en fait chêne. Voilà, bon, bref. Donc je me suis dit, fontaine de la vache, qui dit fontaine de la vache dit vache, d'accord, enfin bâche, mais dit aussi fontaine, et qui dit fontaine dit eau, et qui dit eau dit possibilité de trouver un coin frais pour boire une bonne bière bien fraîche. Et la fontaine de la vache, vois-tu, eh ben elle est là. Voilà, c'est ça. Alors à ce qui paraît, Saint-Louis y aurait rendu la justice, hein, plusieurs fois, et aussi, paraît-il, on y aurait trouvé un trésor celtique, là, par là, hein. C'est un peu des gens de Bretagne. Donc bon, comme tu peux le voir, bon, c'est sympa, mais c'est pas le top non plus. C'est-à-dire que là, tu as de la terre, t'as pas de sable. Et bon, non, ça va pas. Donc on va aller plus loin. La fontaine de la vache, ça sera pas pour ce coup-ci non plus. Donc on va continuer vraiment, toujours en allant sur les bords de Loire, peut-être, vers la Loire. Ce coup-ci, peut-être qu'il y aura moyen de trouver quelque chose de bien. Mais l'eau est claire, hein, mon vieux. Hein, là, tu peux... Là, c'est de l'eau claire. Allez, c'est parti. Fontaine de la vache, fontaine de la bâche, fontaine de... C'est mignon, hein, c'est bucolique. J'ai passé la Loire au niveau de la Charité-sur-Loire, bien connue pour être la ville du mot. Hein. C'est une ville où tu peux dire plein de mots. Tu peux dire des mots comme vache, bâche, ville du mot, ville du livre aussi, la Charité-sur-Loire. Et j'ai donc passé la Loire, mais j'ai pas trouvé d'endroit super intéressant, super bien pour boire un coup. C'est tout en plein soleil.